Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Dickens Challenge. Et c'est Noël, ça y est, la maison est décorée, voilà, les petits sapins et tout ça. La neige n'est pas encore invitée au rendez-vous, oui, n'est pas encore au rendez-vous tout simplement. Mais Noël frappe à la porte. Ah! C'est quoi ce délire là? Pourquoi? Mais éteindez! Éteindez Taichi, vite! Oh non, mais. What? Mais what? Chanter ensemble, mais. Mais non, mais. Ah, la guitare! Ah, c'est bon. On a failli perdre Daichi. Oh mon dieu, on a failli cramer toute la maison, mais je comprends pas. Eh ben voilà, il a fallu combien d'épisodes pour que le feu... Ça a brûlé les sculptures de Pierre Nord. Oh! Je suis choquée. Oh, bah va aux toilettes, toi. Oh non, les sculptures de Pierre Nord! Oh non! Oh bah non, alors c'était des trucs d'antique et tout ça qu'on avait depuis le départ et puis on les a plus! Oh bah voyons, ça commence bien. Bon, c'est Noël et ça commence déjà à être la catastrophe. J'ai pas envie. Je crois que ça va être vraiment n'importe quoi la suite. Mais bon, nous avons quand même une. Notre petite Gisèle qui s'est fait enturlupiner par zombifier un petit peu par une petite vampire la nuit dernière. D'ailleurs, Nadine aussi s'est fait un peu sucer le sang par une vampire. Par un vampire, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais quoi, toi, là-bas? Tu fais quoi? Eh oui, alors, on a Chantal qui est enceinte, mais aussi Hélène. Donc, ça pousse de partout en ce moment, les bébés. Qu'est-ce que tu fais? Mais va manger un truc! On a Taichi qui est complètement cramé, ouais. C'est n'importe quoi. Et voilà, donc aujourd'hui c'est Noël, mais en même temps, on va avoir des bébés qui vont pousser, qui vont popper, notamment... qu'est-ce que tu foutais au sous-sol? Mais va manger, je t'ai dit. Notamment le bébé de Hélène qui va arriver, mais elle a un ventre, mais c'est énorme, quoi, j'ai jamais vu ça. Alors, la petite amie... Oh, commencez pas à me casser les pieds. La petite amie... de Chantal est là. Elle a l'air bien vénère aussi. Hein. Non, mais tu vas juste... Tu peux pas... Voilà, d'accord. Devenir meilleurs amis, ok. Tout ça parce qu'en fait, je vais leur faire connaissance avec leur famille pour qu'elles puissent être invitées eh bien, à l'événement que l'on fera ce soir pour Noël. On va faire un petit dîner, comme d'habitude, quoi. Et puis, maman aussi, tu vas te présenter, hein, parce que, bon, c'est sympathique. Tout ça. Oh, pitié! C'est Joseph qui est là. Bah ouais, bah rentre, hein, écoute. Il va aller pleurer, lui, je le sens. Il va aller pleurer directement, et pas sur les tombes pour une fois, c'est bien. C'est au moins ça, hein. Bon, voilà, ça discute, c'est mignon. J'ai fait aussi venir Lionel. Lionel, qui est je ne sais pas où. Ici, il est là. Pour que, pareil, tout le monde fasse connaissance avec, et puis ça pourrait être sympa, comme ça, pour le dîner. Oh, mon petit Jojo, il est tristoun, comme d'habitude. Si t'arrives, ça se passe bien dans ta famille avec tes trois enfants. Tu peux pas lui dire que t'as... Bon, je sais pas trop. Mais bon, voilà, ça se passe bien. D'ailleurs, petit Joseph, on va aller voir ça. Peut-être que ses petits bouts ont grandi. Oui, alors, c'est Caroline, elle a les cheveux noirs. Isabelle, bah à mon avis, elle aura les cheveux roses comme sa mère. Le petit Philippe n'a pas encore grandi. Et le fils de Geneviève n'a pas encore grandi non plus. Donc ça, ce sera pour la suite. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être qu'on décorer. Alors, décorer le sable. Ah. On va pas décorer ensemble? Attendez, moi je sais plus. Quand on est là, on chante ensemble, admirer, saboter.
Bah non. Allumez ça. Mettre des ornements. Ok, bah écoutez, on va refaire le sapin. S'il est pas flingué, parce qu'honnêtement, je m'en souviens plus trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est reparti casser la maison, lui, mais c'est pas possible. Il a un petit souci, hein. Je crois qu'il aimerait, comme il aime pas les enfants, ben ça a dû le stresser, je sais pas. Tiens, tu peux aussi mettre quelque chose, toi, décoré. Tu vas mettre une guirlande. Hein? Puis toi, tu vas aller décorer et tu vas mettre la décoration au sommet du sapin. Mais bon, la dernière fois, le sapin, il était buggé, donc comme c'est le même qui était à la cave, je sais pas si ça va bien fonctionner. Hein. Bon, on va voir. Hein. Mais c'est que ça a l'air de fonctionner! C'est formidable! Hélène, elle lance les trucs dedans. Ah, non. Bah, t'as pas accès. Bon, il y a au moins une petite décoration. Oh, mais ce ventre, Hélène, c'est pas possible, hein. Et elle est énorme, hein. Et puis elle a deux seins aussi. Ses seins sont juste gigantesques. Mais elle est quand même très très belle. Ouh là là, ouh là là. Oui, c'est trop beau. Et il ne prend pas feu. Donc c'est merveilleux. Par contre, on peut placer un tas de cadeaux. Enlever le tas de cadeaux. Mais il n'y en a pas en fait. Placer un tas de cadeaux. Voilà. Ok, ça ne fonctionne pas. C'est génial! C'est merveilleux. Ah, elles sont quand même bien, 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 bien moins actives. Hein. Ah, elles sont pas trop, trop reloues. Ouais, belle Hélène, ma petite poire, tu vas faire une bonne petite sieste ici. Je pense que tu peux te reposer là. T'es vachement crevée et je sais pas pourquoi t'es aussi fatiguée. Mais bon, ça te fera du bien de faire un petit dodo et puis après on va organiser le dîner de Noël avec toute la famille. Regardez comme ça lui va bien à Mamie Gigi. Après Mamie Jo, c'est Mamie Gigi qui elle fait un petit manger là. C'est quoi déjà? Je crois que je vais demander de faire un grand repas. Un dîner avec de la dinde pour ce soir. Il y aura bien sûr un grand repas végétarien pour la moitié de la famille et l'autre repas pas végétarien pour l'autre moitié de la famille. Après, ils choisiront ce qu'ils veulent, mais moi je vais pas commencer à regarder. J'ai juste retenu qu'Hélène n'était pas végétarienne, donc elle peut manger. Vraiment les deux, donc c'est cool. Ah ben quand même! Ça faisait longtemps Daichi dans son bain. Puis Daichi tout cramé dans son bain, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au moins il nous fera pas la honte quand on invitera tout le monde. Parce que... Hein? Monsieur Daichi, on a failli te perdre. Hein. J'ai eu un instant, j'ai eu le cœur qui s'est arrêté. C'est pas possible ça. Perdre Daichi, ce n'est pas possible. Mais la gueule de notre sapin et machin, ils sont par terre et tout. Oh là là. Et puis il n'y a toujours pas de cadeau, je sais pas. Moi, il est beaucoup trop bizarre. Tu vas l'allumer? Ça va foutre le feu, je suis sûre, non? Ouais, d'accord. Bon, pour l'instant, ça va. Oh, je vous jure, il me casse les pieds. Triste, je sais pas. Il y a quelqu'un qui est mort, mais je ne vois pas qui c'est, parce que tous ceux qui avaient été dans leur truc étaient déjà morts. Tu vas appeler pour... non, événement social. Hop, tu vas faire un petit dîner. Quasiment 19h, donc c'est largement le temps pour inviter tout le monde. Bon, on a invité tout le monde, mais alors je me suis rendu compte que elle connaissait pas la femme de Joseph. C'est génial. Donc il va falloir quand même qu'on l'invite. Si quelqu'un là, on a Monique. Oh là là, c'est pas vrai. Personne ne connaît Manon, donc on peut pas inviter notre belle-fille. Ah si, ouais, tu peux l'inviter, s'il te plaît, Chantal. Au moins tu la connais un peu, parce que sinon ça craint. Oh, Mamie J, t'es belle. Tu vas accueillir tout le monde quand même. Hop. Alors ça, c'est la copine de Chantal. Et puis tout le monde va arriver. Voilà, Manon aussi, c'est cool, tant mieux. Oui, ça commence à venir tout ça. Il y a Marcel. Ça, c'est Axel qui a un look très très bizarre, mais bon. Audrey. Ah bah ça, les cheveux gris, c'est la fête. Hein. Geneviève est là. Marcel aussi. Tu peux venir, Hélène? Tu peux venir au moins dire bonjour et tout. Tu les connais même pas. Tu peux quand même discuter un peu avec les gens, tout ça. Il y a ta sœur qui est là. Parler de la dernière fête. Voilà, c'est cool. Bon, par contre, Daichi, t'es pas obligé de rester à table. Tu prends de la place pour rien, là, quand même. Wow, c'est génial que vous le voyez maintenant parce que vous l'aviez pas encore vu.
C'est Joseph. Joseph, il s'est fait pousser une afro. Alors, j'avais mis ça en tenue, mais il l'avait jamais utilisé quand on était à la maison. Donc, c'est génial. Il est parfaitement dans le mood. J'adore Joseph. Il casse des briques, quoi. Il est génial, ce mec. Bon, eh bien, tu vas quand même faire un petit câlin, tout ça. Enfin, tu vas dire bonjour à ton fils. Toi, tu vas dire bonjour à ton frère. Tu vas chanter une chanson. Hein. Tout le monde est là, tout le monde se danse, tout ça. Regardez-moi tout ça, c'est trop cool. J'adore. J'aime trop, trop, trop. Voilà, oh, le câlin des frères et sœurs, c'est trop mignon. Bon, j'espère que vous reconnaissez tout le monde. Et alors, non, non, il faisait pas du gringue à la petite là, hein. C'est Hélène qui s'est dit non, mais Lionel, franchement, il est vraiment très, très mignon. Est-ce que tu peux lui offrir un petit cadeau? Tu vas lui offrir une rose de Noël, ma petite Hélène. En plus, elle va pas tarder à accoucher, donc ça va être ouf. On va aussi bientôt manger comme ça, hein. Ça ira aussi très bien. Ah, ça chante! Joseph qui chante! Oh là là, les bidous là, dis donc. Ça y va, hein, les bidous. Mais bon. Ah oui, alors attendez. Elle va lui offrir un cadeau. Ah, est là! Voilà, ça lui a plu. Ça, c'est le substitut au tofu. Tu peux annoncer le grand repas, Gigi. Et annoncer le grand repas ici aussi, puisque... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es choquée, toi? Oui, ma belle, tu vas manger, Hélène, t'inquiète pas. Tu vas vite manger et tu vas aller aux toilettes aussi, parce que... Ah oh, non, bah, il y est déjà, ta sœur. Voilà, ça y est, elle va manger. Ok, c'est bon, elle va pas mourir de faim. Le Père Noël, il est où? Il est là-bas. Père Noël, Père Noël. Bah, du moins, Père Hiver. Battez-vous avec le... Non, 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 tu vas te présenter. Mais bon, ça va être compliqué, ce qu'il y a du monde, et ça va être difficile d'avoir un cadal. Hein. Ah, du coup, Hélène, elle s'est isolée dehors, parce que c'est un peu trop la Numba à l'intérieur. Là, il y a un peu trop de monde. Voilà. Donc, on va être plus tranquille dehors. Hé! Hey ouais, dis donc, Père Noël. Attends, 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 attendez. Le Père Noël, il a la barbe rouge et les cheveux gris. Et il est un petit peu bronzé, mais c'est... C'est très bien, c'est original, on va dire. Elle meurt de froid. Hélène, ça va pas être possible. Alors certes, ça te fait ressortir tes cheveux. Oh, Muné, ça y est, elle accouche. Oh là 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 là, il y a plein de rien. Rentre, Hélène, j'ai pas envie que tu meures. Je t'en prie. J'ai pas envie que tu meures. Tu peux aller aux toilettes, s'il te plaît. Oh là là. Voilà, elle va pas mourir tout de suite, il y a tout qui se passe en même temps. Oh là là, c'est le bordel. Toi, tu as mangé, toi aussi. Elle mange et elle va aux toilettes, c'est bon, ça va être réglé, ça, c'est une bonne chose. Le Père Noël, tu vas demander un cadal, du coup. Tu vas partager l'esprit de Noël, ma petite Gigi, et tu vas lui demander un cadeau. Comment on fait déjà offrir un cadeau? Ben non, demander un cadeau. Demander un cadeau, voilà, c'est toujours ça. Nadine, tu vois, tu fais rien de spé, tu vas te présenter aussi. Et toi aussi, tu vas te présenter, présentation polie. Il est vraiment très bel homme, ce petit Lionel. J'ai hâte. Alors, ma Gigi, tu as quoi comme petit cadal? J'ai hâte de savoir ce que c'est. Ça a l'air de lui faire plaisir. Un appareil photo numérique. Oh, bah c'est cool. Tu vas pouvoir faire des photos et tout ça. C'est sympa. Il faut... Non, mais vous avez dit bonjour. Mais il s'en va. Inviter David à danser. Il s'appelle David apparemment. Oh là là. Hélène. Hélène, allez, vas-y. Va voir ton petit bébé, Hélène. Cela, plus rien ne va. Ça y est, ça y est. It's time. Je sais que vous attendez ce moment. Moi aussi. D'ailleurs, je vais sortir ma petite liste de prénoms. Donc, alors, ma petite liste de prénoms est quand même un peu plus moderne que ce que j'aurais pu faire. Oh, attendez, attendez, attendez. Moi, je veux voir de plus près Malhélène en train de souffrir. Oh, punaise, vu la tronche qu'elle fait. Elle est pas très, très jolie, là, pour le coup. Mais si, tu vas avoir un noubou. Il va être beau, ton noubou, ma belle. Oh là 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 là. Alors attention, c'est une fille! Et c'est super. Alors vous savez, moi j'ai réfléchi, vu que ce bébé naît le jour de Noël,
À la base, je voulais faire un prénom un peu type Noël et tout, puis après, j'ai étendu le truc un peu plus. Et j'ai décidé, du coup, bah, vu que c'est une fille, sinon j'avais un prénom encore mieux pour les garçons, mais c'est pas grave. Elle va s'appeler Eva, parce que je sais pas, je trouve que c'est comme une nouvelle Ève, enfin, je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à capter la référence, mais je sais pas même pas s'il y a vraiment une référence. Mais la petite Eva, alors, il y en a un ou deux? Il y en a qu'une! Bon, et eh ben, c'est toujours ça. Oh, bah, elle est bien blanche. Avoir un bébé, ça marche? Si on en veut deux, comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Bon, et eh ben, écoute, tu vas l'allaiter et tu vas la bercer. Mais elle a l'air bien blanche, cette petite. Elle aurait dû être quand même un peu métisse, non? Bah, tu peux déjà plus t'en occuper. Oh non, hein. Oh, attendez, c'est-à-dire que j'ai double berceau. C'est quand tu veux. Bah non, j'ai pas double berceau. Qui c'est qui veut venir s'en occuper là? Allez, maman! Tu peux l'allaiter! Mais arrête! Qu'est-ce que tu veux faire avec tes sœurs? Mais! Ah non! Mais sérieux, ça commence déjà! Dégage! Va te coucher, Nadine! Ah, et toi, va aux toilettes! Et toi, occupe-toi de ton enfant, ton fils, mais non. Ouh, ça m'énerve déjà! Vous savez que des... Moi, les bébés... Oh! Quoi? Mais quoi? Oh, j'en ai marre! Y'a rien qui fonctionne! Bon, Hélène, tu bouges tes fesses! Oh là là! La mauvaise mère que tu es! Oh, j'ai plus de Voilà! Il y a enfin la petite Eva qui s'est endormie, donc Bichette, tu peux aller au lit. Voilà, parfait. La suite pour le prochain épisode. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Un épisode un peu encore un peu catastrophique avec le début, avec l'incendie, le Noël un peu bizarre et qui est très très vite passé. Le sapin il est vraiment niqué. Moi je pense que je vais le vendre et puis pour le prochain Noël on en rachètera un nouveau. Je suis vraiment ravie que la petite Eva soit là. Je pense, en fait, je ne sais pas sûre de ce que je vais faire pour si je fais une deuxième grossesse avec Raphaël ou si j'attaque tout de suite avec Lionel. En fait, là, quand vous regarderez cet épisode, moi, je serai rentrée de vacances et je pourrai réattaquer le prochain épisode, en fait. Donc, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à mettre dans les commentaires si vous voulez un deuxième enfant avec Raphaël ou si on attaque avec Lionel. Ce sera l'un ou l'autre, ce ne sera pas trop le choix, mais là, cela, j'ai pris de l'avance, j'étais obligée et tout ça. Et ben, en tout cas. À vous de me dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. À regarder les petites pubs sur la page YouTube qui est aussi dans la description. Et à vous abonner, à liker et à commenter. Et à très très gros bisous. À très bientôt pour la suite du Dick et Challenge ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez, salut, des bisous.